Ça s'en est là. Touchez. Touchez. Vous saliez déjà ou connectez Channel Information, c'est Sophia TV 83. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bien content rentrer la caille nous avec nouvelle édition. Ça, j'ai débarqué valise nous directement dans la douane Port-au-Prince. L'ensonge 14 juillet te passé à la douane Port-au-Prince. Yo te saisi en quantité d'âmes à balles qui te vini sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Mais cependant, dossier a pété plafond. Tout caca château récit prend la rue. L'église pas t'assemblé coupable. Et selon rapport RND. DH là qui fait lumière sous cause ça. C'est vérité pour aller courir tout bon vrai. Marie-Rosie fait que déclarer bel et bien. Oui, l'église a campé l'autre monde, gamin yo trempé dans faire rentrer balle à examen en d'un pays et yo t'a financier bandi. Et cependant, même États-Unis ak pays Mexique maintenant résolution yo fait prend mette barbecue devant comme une pigo chef gang qui gagnait en Haïti. Mais pour l'instant, gagnait diversion dans dossier. Je parle de commissaire Lafontaine qui a fait gabji, a passé dossier en vêtu en voilà, et lui-même l'a caché certaines vérités et a protégé un paquet de l'autre monde seulement pour faire dossier à tomber sous l'église épiscopale. C'est confirmé. Marie-Rosie Dissena, réseau droit Mounio et NDDH, la Gekozea. Tu t'es invité à entendre un extrait. Dans ce parler, je dis à la, avec la presse concernant rentrer Zam Akbal en un pays d'Haïti, côté l'église épiscopale, mêlé jusqu'au cou. Dans le dossier, et c'est vérité, kaka chatio, dans la rue, pas grand pile monde qui parle en bas côté. Même si la police ak DCPJ getan maré, pratiquement 5 moun nan dossier sa. Rete avèn souje abonné et den partage se réseau information. Sophia TV 83, gros réseau. Nous songe que c'est pas seulement contre bandi yo que sanction yo doit prendre sanction yo doit prendre tout contre tout moun qui gagne des liens avec bandi yo, tout moun qui a alimenté insécurité, tout moun qui impliqué dans trafic d'armes illégales, etc. Cependant, pour nous-mêmes dans RNDDH, bien plus bagaille pour ne pas oublier. Premièrement, il faut que nous pas oublier que c'est BINU, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, qui était toujours appuyé coalition gang armée et qui gagne un entreprise Jimmy Cherizier alias Barbecue, que nous connaissons, je ne je dis à qui nommément cité dans annexe résolution, ça que nous avons parlé là et que représenté comme un chef de gang, quoi ça. Maintenant, il y a un autre point encore qui est très important pour nous, dans la question interférence magistrat, c'est que, en fait, nous apprenons que ces magistrats qui prennent contact avec un cousin qui est le Ronald de Meza, d'ailleurs, c'est magistrat lui-même qui parle de nous que c'est cousin, et c'est lui-même qui dit lui mettait le courant de dossier, et d'ailleurs, et Rémi Lindor, qui lui-même, c'est propriétaire conteneur qui t'a entré en Haïti, qui t'est entré en Haïti, que jeune objet illicite là dans yo. Rémi Lindor, dès que t'entendais que, dans un moment de vérification, yo joué des armes, munitions, faux l'argent, avec un pilote objet illicite encore dans yo, dans Colidio, lire les magistrats, parce que, en fait, famille ni a vivre bon côté famille magistrat aux États-Unis. Et les magistrats recommandent lui pour lui prendre Ronald de Meza comme avocat. On parle de quel magistrat? Nous toujours à parler de commissaire du gouvernement. Nous toujours à parler de acte d'interférence du commissaire du gouvernement et Jacques Lafontaine. Et donc, d'ailleurs, les nous parler avec famille Rémi Lindor Pochli. Ils ont dit que même gagner 10 000 dollars américains qui baillent à Ronald de Meza, que d'ailleurs, magistrat a été présenté par Rémi Lindor comme étant seul monde, seul avocat d'ailleurs, qui est capable de retirer dans sa lié là, dans le pétrin que lié là. Maintenant, pour nous capables un peu comprendre ça, Nabdia là, on essaye d'aller au début dans ça que nous jeunes comme information. D'abord, il faut que nous disions que pour RNDD, c'est vraiment caractère inédit saisi ça qui est arrivé fait dans la date 14 juillet 2022 qui t'a attiré l'attention nous surtout en raison de qui institution qui indexe dans le cadre de ça et c'est peut-être ça tout depuis les ça et a commencé à mener enquête et qui ça nous prend jeune sur le terrain c'est que en fait depuis plusieurs années franchise l'église épiscopale d'Haïti a qui a des problèmes sous lui déjà il y a des suspicions de trafic de franchise pour qui ça c'est parce que au niveau de douane Port-au-Prince là même nous rencontrer avec des agents douaniers qui nous consacrent vraiment gagner un pile monde
qui a utilisé franchise l'église épiscopale là et en pile moun sa yo yo pas gagné activité religieuse, yo pas gagné activité de culte et ça vient fait que gagné en pile agent douanier qui pourrait dire OK d'accord, nous pas voulu impliquer dans processus de dédouanement contenu pour l'église encore. Nous rencontrer au moins un agent douanier lui-même qui était même qu'a mettre une date sous lui. Il dit que gagné plus passé 4 l'année, il pas d'accord impliqué dans le processus de dédouanement de et conteneur ou bien de n'importe qui colis pour l'église épiscopale. Dans le commencement avril 2022, donc, pour le gagner 3 conteneurs qui est objet de scandale ça qui pour rentrer en Haïti. Et lorsque monde qui est habitué à faire des marches pour dédouaner conteneurs sous nom l'église épiscopale, te rendu compte que pas capable faire conteneur couvrir par franchise par l'église là, et bien yo pour d'accord que et faut vérification faite parce que agent douanier a demandé pour que yo vite conteneur. Maintenant faut que nous dit que avec agent que nous parler yo dit nous que en réalité il y a deux raisons qui fait que yo demandé vérification de conteneur. Première raison certainement c'est suspicion de trafic de franchise que nous parler là, mais bon l'autre raison tout c'est que en fait il y a une rumeur qui t'a circulé sur qui ça t'a en dedans et conteneur. Maintenant les propriétaires conteneur qui pas en Haïti rien les d'or et d'accord que vérification en fait, eh bien, jour 14 juillet 2022, c'est date ça qui parle retenu pour vérification en fait. Et comme les deux principes que vérification en conteneur supposé faite soit en présence de propriétaire conteneur ou bien de au monde que lui délégué, il peut le déléguer yon proche li pour aller assister à vérification. Et là, on a parlé de Samson François. Et c'est là ça nous poil connait que gagne toute zam sa yo que yo poil et saisi yo, mais qui ça nous doit kembe c'est que en fait saisi qui fait objet de en tout cas que nous même dans RNIDH pour parler de li dans rapport nous c'est saisi qui rivé fait dans 8 boîtes qui était dans yon dans 3 conteneur yo et 8 boîtes sa yo c'est un monde qui est Fernand Jean-Pierre qui a vécu aux États-Unis qui voyait li ici pour alerte Isaac. Entreprise que Fernand Jean-Pierre bay boîte sa yo pour rentrer avec yo en Haïti, entreprise en relé Rémi Multiservice, et Fernand Jean-Pierre payé $680 américains pour arriver faire boîte sa yo entrer en Haïti. Maintenant, on nous rentrer dans San Tabdi là. C'est que, en fait, automatiquement que yo jeune boîte yo, Samson François, Rémi Lindor pour mettre au courant que gagné des objets illicites que joignent dans boîte d'ailleurs et tout et procéder à arrestation après que fin dressé procès verbal de constat de boîte ça pas vrai donc ça veut dire c'est dans information de connaître tout donc dans dossier ça gagné monsieur Samson qui nommé la police. Oui, effectivement. En fait, il y a 6 monde qui est nommé autorité judiciaire. Là, on a parlé de non seulement de Samson François, mais il y a Gina Walls, Jean-Louis, Lovni, Louis-Jean, il y a Père Franz Cole, Magnon Saint-Germain avec Jean-Marie Jean-Gilles. En fait, qui est son saoyer? Gina Walls, Jean-Louis, lui-même son commissionnaire en douane et lui-même selon ce que yo rapporté nous, li habitué faire des colis sortis pour l'église épiscopale. L'OVNI, lui, Jean, lui-même, li pas broker, li a travaillé dans Ribo SA, mais li marié avec un broker agréé, qui c'est Steve Jean, et c'est lui-même qui t'est engagé, Gina Walls, Jean-Louis, comme broker pour régler question faire colis à ressortir en bas franchise l'église épiscopale. Samson François me parler de lui. Magnon Germain lui-même c'est messager l'église épiscopale. D'ailleurs, il a arrêté lui ensemble avec Jean-Marie Jean-Louis qui c'est comptable pour l'église là dans le moment que t'as fait perquisition dans le bureau diocésain. Ah, maintenant okay. Donc ça ne t'a dit c'est que en fait coup mais avant on était déjà allé plus loin nous on vient de parler dernièrement ensemble avec un avocat qui sous qui représentait l'église épiscopale d'Haïti il te dit que dans moment où tu fais descente dans local diocésain il te dit que tu porté aller tu t'es arrêté deux employés l'église là et oui. Yo monsieur yo libéré yo nommé la justice non non c'est yo deux et c'est deux derniers mon sont parlé de yo là yo toujours nommé et la justice non mais si me quoi si me bien si me songe ça maître de Saint-Étienne nous te dit donc que yo là c'était un personnel de fin employé quoi c'est ton comptable
et puis l'autre là c'était gardien institution. En fait, nous-mêmes, nous jouons une information, peut-être que là, on a parlé de Manon Saint-Germain, nous jouons que lui, c'est messager, oui. Et nous pas connaissons si lui est messager et gardien, et comptable là, c'est Jean-Marie Jean-Gilles, qui lui-même, et effectivement, c'est comptable là. Ah oui, bon, et alors... Et tous les deux, ils ont la main et autorité toujours. Ah, ok, mais qui ça reproche, Mounzao? Eh bien... C'est tout ça, c'est tout problème que nous gagnons dans le dossier. En fait, si y a mené enquête sur trafic d'armes, trafic objets illicites que l'Église a impliqué là-dedans, c'est que yo t'a reproché moun sa yo, yo impliqué dans trafic là tout, puisque c'est sous ça enquête là a mené. Et c'est peut-être ça que justement nous pas qu'à comprendre. Et pour qui ça, est-ce que autorité judiciaire particulièrement commissaire gouvernement la première instance Port-au-Prince vraiment a montré tout le monde et nous a dit virer tout regard sous l'église là lui-même. Et effectivement je n'ai jodi a nous gagnons un cas côté que gagnent l'église épiscopale que l'état haïtien bail une franchise douanière et gagnent des suspicions de trafic de franchise. Nous pouvons arriver sur qui ça a dû faire selon nous-mêmes au niveau de RNDDH. Mais maintenant, est-ce que pour autant, si vous enquête à mener, c'est seulement sur l'église là pour nous focaliser, non? Pour l'autorité judiciaire focaliser, nous pensons que non. Parce que, entre-temps, il y a une boîte qui rentre qui gagne ça dans le monde qui gagne une boîte qui voyait sur l'autre bois non connu. Moun ki la pou recevoir boîte yo non le connu. Donc pour qui ça est-ce que gagnen nou ta dit toute velléité ça pour faire quoi que c'est l'église épiscopale seulement qui impliqué dans question trafic zam ça parce que enquête là nous gagne impression c'est comme ça que autorité judiciaire yo et jusqu'à présent yo a mené et son moins de même autorité de police judiciaire bon ça veut dire jusqu'à présent pas gagne de mandat soit international ou bien national qui décerné contre eux non seulement moun qui fait et moun sou non et t'es capable de dire et trafic en fait ou bien moun qui fait là donc pas gain de poursuite qui fait selon information que nous gagnons pas gain aucun acte de poursuite qui fait et vers moun sa yo. Tout ça qui a fait que je ne jodi an c'est vraiment pour simplement chercher épingler l'église épiscopale dans trafic zam ak munition. Maintenant c'est peut-être ça tout d'ailleurs nous pensons que justement zam sa yo que rive saisir c'est des armes que tu as supposé utiliser te rassure pour remonter à monde qui impliqué dans trafic zam de manière générale et accomplition. Nous pensons tout que c'est une opportunité que autorité judiciaire gagne pour enquêter sur l'intégrité de l'église épiscopale lui-même comme institution parce que faut que nous quand même faire des cantations entre l'église qui sont institution avec des gens qui a travaillé dans l'église là ou du moins qui gagne des liens avec l'église là et qui à un certain moment gagne des informations sur question et franchise douanière que l'État haïtien a accordé à l'église là et dans ce sens ça d'ailleurs nous pensons faut que l'autorité judiciaire a clairement dit si nous sommes impliqués dans le trafic franchise et garder tout est-ce que ils ont pas impliqué tout dans le trafic ZAM. Donc, et pour nous-mêmes, c'est ça qui pour mener comme enquête sur question 1. Et maintenant, pour nous capables d'utiliser traçabilité ZAMIO, il est clair que institution qui était entreprise, excusez-moi, qui était marché à prendre 8 boîtes sans yo, quand moun qui a voyé dans ça dire Rémi Multiservice, faut que garder est-ce que pas gagner négligence en tout cas niveau de responsabilité de Rémi Multiservice dans protéger en munition avec de l'autre objet illicite en Haïti tant supposé établi. Et implication Rémi Lindor qui c'est propriétaire Rémi Multiservice tout dans ça qui gagne à évasion fiscale avec corruption ta doit établir tout parce que c'est quand même 3 conteneurs qui entrer ici en Haïti et selon information que nous joignent gain démarche qui t'a fait pour tenter couvrir conteneur ça yo illégalement par franchise douanière que l'église épiscopale gagne donc l'église épiscopale clairement pas qu'a doué gagner lien avec Rémi Multiservice donc à ce moment si gagne acte évasion fiscale ou bien acte de corruption nous pensons que c'est autorité la justice qui pour montrer ça même Jean-Tout Fernand Jean-Pierre qui voyait boîte avec alerte Isaac qui était là pour recevoir boîte nous pensons que c'est des gens qui gagne compte pour rendre dans la justice. Maintenant nous pensons tout que agent douanier yo supposé repasser nous t'a dit en tout cas façon que yo intervenu
Jean nous t'ai dit au début, nous jeunes des agents douaniers qui dit nous consacrer, bon écoutez, puisque nous t'ai une suspicion de trafic d'influence, eh bien, excusez-moi, de trafic de franchise, eh bien, nous venons décider que, ok, d'accord, nous ne pouvons pas impliquer dans aucun processus de dédouanement de colis pour l'Église épiscopale. Alors que, gagner une commission, et en tout cas, une commission qui est là pour lui régler question et octroi ou bien retrait de franchise, et nous pensons que ces commissions, ça, que agent douanier était supposé mettre au courant de ça qui a passé et au niveau de franchise que l'État a accordé à l'Église épiscopale là. Donc commission lui même bon côté parler si ça se trouve pas même connaît que tu gagne toute suspicion ça parce que nous dit quand même que gagne un agent douanier qui dit nous que déjà il y a 4 ans depuis que le pas jeune impliqué dans un lien qui gagne à l'Église épiscopale alors que commission là c'est commission interministérielle des investissements qui lui même est créé selon article 45 code investissement et qui gagne la dernière deux représentants ministère économie et finance, un représentant ministère commerce et industrie, un représentant ministère tourisme, un représentant ministère qui concerné par secteur visé et en l'occurrence ministère des cultes puisque nous a parlé de l'Église épiscopale qui est impliqué dans dossier. Donc ça veut dire que commission en fait est supposée au courant de sa capacité. Pour nous-mêmes, il n'est pas suffisant pour agent douanier, tant qu'il croise bras et dit que pas impliqué dans le processus ça encore et par conséquent, nous pensons que il est supposé plus sévère nous t'a dit comprendre que c'est des autorités que il est dans sphère de travail et par conséquent pour plus sévère dans façon que il a traité dossier de suspicion de et trafic de franchise. Et cela normalement est-ce que nous-mêmes dans niveau RN DDH nous communiquer ensemble avec responsable qui dans comité ça ou bien commission ça pour nous connaître est-ce que yo pas au courant parce que avant agent douanier a dit lui-même ni pas impliqué dans ça qu'a fait là li gagne un supérieur quand même est-ce que nous informer que yo pas au courant de ça qu'a passé yo non pas joindre aucun monde sur le terrain qui dit nous que yo était formellement mettez commission au courant. Nous pas parler avec monde qui fait partie de commission mais de toute façon tout dans l'autre main nous pas jeune monde qui dit nous que était formellement metté commission au courant de suspicion que était gagné. Mais également si gagné de agent douanier qui remarque gagné de était capable de forfait dans était capable de dans franchise que ou accordé ou bien dans transaction que qui gagne dans conteneur que qui venait sous nom l'église là et ou se dit nous gagne même qui fait connaître que ça pratique ça yo même yo courant depuis près de 4 ans et nous pas faire une enquête pour demander tout comment et est-ce que et plus haut hiérarchie dans l'église là yo pas comment on fait pas connaître gagne bah ça plus tard puis on t'a monté au créneau et puis dénoncé. Et bon, c'est vrai que nous pas mené enquête dans point ça, mais faut que nous comprenions que en réalité et relation nous t'a dit immédiat que agent douanier selon nous-mêmes t'a supposé entretenir c'est vraiment avec commission qui là pour accorder ou bien pour retirer franchise douanière yo. Parce que en fait nous parler avec des monde qui ba nous des détails permettre que rapidement nous disons par exemple si yo dit que selon information que ba nous si une institution gagne une franchise on dit pour lui rentrer sans chaise et franchise ça l'a gagné c'est sous yon année fiscale que l'a gagné et pendant toute rentrée de chaise que il a fait pendant année fiscale concernée hein, à chaque fois il retire quantité à sous sans chaise là c'est-à-dire c'est première fois il finit avec 40 chaises il apprenait que le était 60 si après ça il finit avec 20 etc. Et à partir de ce moment premièrement nous comprendre selon information ça que vérification doit être faite dans tout conteneur net qui a rentré que ces conteneurs qui couvrent pas franchise ou pas mais en plus de ça c'est que dès que entreprise là dès que institution qui est franchise a dépassé 100 il finit avec 100 à partir de ce moment il commençait à payer normalement douane frais de douane yo. Et donc lorsque gagne suspicion de trafic de franchise faut que nous comprenne que c'est des monde qui a tenté retirer l'argent dans caisse l'État c'est peut-être ça nous parler de évasion fiscale et c'est peut-être ça tout je nous dire pour nous mêmes vraiment lien direct qui gagne entre agent douanier dans travail à faire
et c'est avec commission et interministériel qui là nous pensait que yo t'a supposé tout au moins mettre au courant de suspicions que yo gagne. Maintenant, et Père Jeanville et allons dire Jean Mardoucheville et nous sommes j'étais dernièrement gagné en mandat et d'amener qui était décerné à l'encontre de lui-même et est-ce que lui était finalement et aller répondre à question de la justice ou bien jusqu'à présent nous pas connait qui bolier. Nous-mêmes nous pas connait qui bolier et mais effectivement excusez m'a cherché côté nous parler de Père Jean Mardoucheville et bon page 8 exactement et dans point 54 là effectivement donc nous-mêmes en réalité nous pas mener enquête là dans bout de ça c'est-à-dire nous pas essayer chercher connait qui bolier cependant et selon information que nous avons c'est que en réalité dans date 16 août 2022 il était allé dans direction centrale police judiciaire sur convocation il était auditionné lui pendant toute une journée et après audition hein il était dit lui mettre rentrer la caille et au contraire selon question que t'a posé lui il était pris engagement pour te porter des documents by agent qui cap travaille sur dossier hein, au niveau de DCPJ et pour la suite il pas voyer effectivement document yo by DCPJ et c'est après les fin rentrer la cali que pour apprendre que tu gagne un mandat d'amener qui était émettre contre lui depuis la date 13 août 2022 par parquet Port-au-Prince c'est-à-dire déjà 3 jours avant audition dans DCPJ donc ça encore c'est un fait que nous relater dans rapport là justement parce que nous estimer que et oui il y a un pile légèreté dans ça si c'est pas légèreté c'est à que carrément c'est voulu yo antidater mandat pour qu'a fait comprendre que c'était depuis avant audition au niveau de DCPJ que mandat a été émettre. Oui, oui, m'passe là dans toute t'es capable dire ça madame Auguste li dit Jean que enquête là mené surtout et yo fixé sous l'église épiscopale c'est comme si m'daz au grand penchant et laissé aller l'autre partie qui impliqué qui t'a impliqué dans question. Alors, t'as vraiment dit madame Auguste ça n'a pas de nous faire avec mettre la fontaine nous pas mandé de qui raison que fait yo pas et mener des actes de poursuite contre l'autre monde yo mentionné yo et bon c'est vrai que dans moment que nous t'a parlé avec lui nous t'es focalisé non sur toutes les fois que tu dit mais qui ça le fait dans dossier hein. Donc tu as besoin gagner version parler et mais et je n'ai jodi à nous penser de toute façon que c'est vraiment un bon moment que nous alerter opinion publique sous situation parce que et puisque dossier a jeudi à aller dans cabinet d'instruction nous pensons que cabinet d'instruction lui-même lui a capable étendre enquête là cependant j'en nous dit hein, effectivement c'est vraiment une inquiétude liée pour nous que tout regard yo ou gen impression que magistrat Lafontaine fait tout possible pour lui faire virer tout regard yo sur l'église épiscopale alors que gen des monde qui directement lié à trafic là même en l'occurrence monde qui porte là monde qui voyait là monde qui pour recevoir là nous pensons que monde ça yo gen compte pour rendre à la justice. Ouais et pense c'est conclusion ça c'est les mêmes qui m'était capable de dire toile de fond rapport là. Et maintenant et madame et Auguste nous t'ai parlé de ça hier si c'est vrai nous beaucoup chiffrer un bilan qui fait dans deux attaques contre deux monde dans Kwadebouk en particulier village noir également hier et à Bon Repos mais nous et t'es capable de dire et genou river sur massacre ça que éventuellement nous ca vérifier. Oui, effectivement, sous ça qui gagne à voir avec Village Noir en particulier, nous alerter, nous commencer enquête, nous, et éventuellement, le nous avancer, le SAN a décidé en staff, est-ce que nous avons fait une documentation pour nous, et en fait, excusez-moi, est-ce que nous avons fait un rapport pour nous mettre, et population, opinion publique là, au courant de ça que nous gênons. Cependant, et nous vraiment condamner Zach et Sayo qui a fait et sous population en général et sous artistes qui a évolué dans le village noir en particulier parce que c'est là qu'il a vu, c'est là qu'il gagne pain et je ne dis
bandi carrément chassé de village là. Et pendant que y a chassé yo, c'est à coup de zam que y a chassé yo, donc il y a un pile mort d'homme qui enregistré, il y a des blessures par balle qui enregistré tout, et il y a, selon première information que nous gagnons, des destructions de caille, soit par le feu, ou du moins c'est de l'autre type de destruction qui déjà enregistré ce que nous-mêmes nous est condamné. Naturellement, je nous dis, nous avons travaillé sous documentation, et si nous, puis devant décider publier un rapport dans, entre staff Lambedin au niveau de RNDDH, le ça, on a prouvé by tout le monde, mm-hmm. et surtout et à panel magique. Mm-hmm. Et maintenant, ces mêmes gens tout, écoutez, ça qui passe bon repos, que ça qui a passé au niveau de la plaine là, et de manière générale, différents attaques sporadiques qui ont enregistré dans le pays en dernier jour, ça, nous avons j'ai fixé sur un APC et compilé l'information. Mais cependant, ça que nous avons dit, c'est que de manière générale, vraiment, il y a une psychose de peur qui quimbe population, hein, et nous pensons que c'est autorité, l'État, yo, qui gagne pour expliquer monde, pour qui ça, est-ce que vous voulez maintenir population, hein, non, état de peur, ça, non, état de psychose de peur, ça, que a créé à nos Kaweli. Et bon, Port-au-Prince pratiquement vide. Et la journée, même la journée, et à partir de 5 heures de l'après-midi, c'est vraiment, et bon, vide net. Donc, tout ça, et je nous dis, hein, nous avons mené enquête sur différents attaques, et nous avons regardé qui ça que nous sommes capables de joindre, et si pour nous partager encore une fois avec la population, avec l'opinion publique, nous avons fait ça.